du Caire, de Shanghai, en passant par Kampala. Le grand parcours d'une collection, cette semaine à porte ouverte au Musée de la civilisation. Nous sommes présentement dans une reconstitution de chambre funéraire dans l'exposition fascinante Momies d'Égypte du Musée de la civilisation qui s'est terminée en avril 2010. Et c'est précisément dans un environnement comme celui-là qu'on aurait pu retrouver la momie Nenounef, qui est le joyau de la collection égyptienne du séminaire de Québec. Et pour mieux comprendre cette momie qui se retrouve aussi dans l'exposition fascinante Momies d'Égypte, nous allons aller rencontrer Sylvie Toupin, conservatrice sur cette exposition qui va nous parler du parcours et de l'histoire de la momie. Nous allons aller rencontrer aussi France Rémillard, qui est restauratrice au Centre de conservation du Québec, qui a contribué à la mise en valeur de cette momie. Mais tout d'abord, on va aller voir la conservatrice Marie-Paule Robitaille, qui est la gardienne de cette collection, qui va nous faire une mise en contexte générale de la collection d'ethnologie et d'archéologie du Séminaire de Québec. Présentement, nous sommes dans l'une des voûtes de la réserve muséale du Musée de la civilisation, évidemment au cœur de la collection nationale. Alors ici, il y a plus de 270 000 pièces, mais à l'intérieur de cette vaste collection, on veut en particulier regarder la collection du Séminaire de Québec, sa collection d'ethnologie et sa collection d'archéologie. Alors ça, c'est une portion de l'héritage qu'on a reçu du Séminaire de Québec. C'est une collection qui a été constituée entre 1840 et 1920. C'est une collection d'enseignement. C'est une collection de référence. Mais avant tout, c'est peut-être un des premiers regards portés par les prêtres sur les sociétés extérieures, sur les sociétés exotiques. Cette collection-là était la collection de référence aussi de l'Université Laval, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Université Laval, qui a été créée en 1852, a coexisté, a cohabité sur le site du séminaire jusque dans les années, pratiquement dans les années 1960. Donc, ça a été une grande collection au cœur de l'enseignement, au cœur de la connaissance. Et on va aller rencontrer Marie-Paule Robitaille, qui est la conservatrice, la gardienne maintenant de cette collection-là, qui va nous en livrer à la fois tous les secrets et qui va nous montrer des pièces tout à fait particulières. On est dans la section des collections ethnologiques et archéologiques du séminaire de Québec, oui. L'ancien séminaire de Québec. Comment elles ont été constituées, ces collections-là, à la base? Bien, en gros, c'est au tout début, il y a des collections disparates qui arrivent par des missionnaires. Si on regarde juste là, les pièces d'Océanie. Puis vraiment, après, il y a des collections plus constituées qui entrent par la Société des missions étrangères. C'est des gens qui apportent des biens de Chine, de différents pays asiatiques. Éventuellement, on a aussi les missionnaires, les Pères Blancs qui sont en Afrique. Tout ça s'inscrit dans la longue histoire de l'enseignement aussi que les prêtres donnait à cette époque-là, à partir de la fin du 18e siècle, c'est-à-dire c'est devenu comme une encyclopédie vivante. Dans le cadre des cours, c'est certain que des armoires vitrées, des tablettes, alors l'étalement se faisait dans le cadre des salles de cours. On suivait la mode du temps dans l'enseignement. On voulait témoigner des autres civilisations. Il y avait tout un mouvement de partout, le monde scientifique. Un épanouissement, une ouverture. Les gens étaient avides de connaître
les autres civilisations. Il y avait toute cette mode d'aller dans les pays asiatiques, aux Indes, de partir en Afrique. C'était vraiment la période un peu... Oui, c'est ça, puis où les grandes collections britanniques, françaises et tout ça se bâtissent. Et les pères du séminaire aussi ont le rôle d'enseignement. Et dans cet enseignement-là, on parle de l'Antiquité, on parle des civilisations autres. Alors, on en témoigne. Ils sont véritablement ouverts sur le monde. Oui, vraiment, il y a tout un épanouissement. Et on vient non seulement par les livres et les archives, mais aussi par les objets témoigner qu'il y a d'autres façons de vivre. Puis par la suite, il y a la collection asiatique. Il y a la collection asiatique. Alors là, c'est surtout les pères en mission en Chine qui viennent rapporter des choses. Alors, je regardais encore ce matin, il y a des objets qui datent vraiment de 1722, de même plusieurs pièces qui se rattachent au 18e siècle ou au début 19e. Alors, en voilà, c'est ça, des céramiques absolument extraordinaires, c'est certain qu'on manifeste le culte de ces gens-là, certaines croyances et tout ça. C'est des motivations aussi à l'époque. On est quand même dans un lieu d'enseignement où on touche aux différentes religions. C'est ça. On montre aussi les contrastes. C'est certain que l'enseignement se fait dans un milieu chrétien, dans un esprit chrétien, mais on ne nie pas qu'il y a d'autres façons de vivre et d'autres façons d'agir. On a parlé de la collection asiatique. Il y a la collection africaine aussi qui fait partie de cette grande collection d'ethnologie. Puis on a un exemplaire assez intéressant ici qui est un bouclier qui vient de l'Ouganda. L'Ouganda. Ça a été gardé de façon impeccable. On voit ici, c'est sans doute de la peau soit de chèvre ou en tout cas peut-être d'un bovidé. Puis c'est du bois qui est fendu en lanière, comme ça. Alors ça, c'était véritablement les pièces de la première collection dite africaine. C'est ça, oui. Et qui a eu quand même son prestige. On la voit manifestée comme les pièces chinoises aussi, dans des articles de journaux, dans des publications de l'université, dans plein d'endroits. Alors, c'est magnifique, là aussi. Et à l'intérieur, encore une fois, de ces dites collections, il y a la fameuse collection égyptienne, qui n'est pas la grande collection en nombre de pièces, mais elle est spectaculaire pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'elle contient les fameuses momies. Mm-hmm. C'est quand même une des premières collections égyptiennes sur l'Antiquité égyptienne à rentrer en Amérique. Certaines pièces viennent par l'abbé Bégin qui va, jeune prêtre, il part au Caire en mission pour rapporter des pièces qui ne figurent pas du tout dans la collection de l'université ou du séminaire. Et lui avait véritablement eu le mandat d'aller chercher les pièces. Oui, c'est ça. Qui a lancé l'idée? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les pères? Mais je pense que c'est beaucoup lui qui était très conscient que c'était une faille dans toutes ces collections variées. Beaucoup de ces amulettes-là ont été découvertes dans les bandelettes de momies. Est-ce qu'elles ont été recueillies comme ça? Ou bien carrément retrouvés dans les bandelettes une fois rendus ici. Ça, on ne le saura peut-être jamais, là. Mais il y a quand même toute une variété de dieux et d'êtres, d'esprits qui témoignent. Et là, il y a quelque chose de particulier, parce que normalement, la momie serait ici dans les réserves, mais elle est présentement en exposition, et on va aller rencontrer la conservatrice Sylvie Toupin, qui va nous présenter cette fascinante momie. Alors, nous sommes présentement dans l'exposition Fascinante momie d'Égypte et je suis en présence de Sylvie Toupin, qui est la conservatrice de l'exposition et évidemment le joyau de la collection d'ethnologie et de la collection égyptienne, bien sûr. Il s'agit de Nenounef et de son cercueil. Mais avant, disons, de poser notre regard sur cette magnifique pièce, on va plutôt parler du comment la pièce nous est parvenue, comment elle a traversé les océans. Alors, comment se fait l'acquisition de la collection égyptienne? En fait, cette pièce-là, ou cette momie-là, a été acquise par l'abbé Louis-Nazaire Bégin.
qui était prête au séminaire de Québec et qui était alors en mission dans la région là, d'Europe et également de la Palestine. Et il avait reçu effectivement la commande ou la mission durant son périple de rapporter une momie et des antiquités égyptiennes. Puis là, on est vers 1867-68. C'est en 68. La momie a été achetée au Caire en 1868. On lui avait demandé d'aller la chercher à Thèbes parce que c'est une nécropole importante. C'est là que se retrouvaient de nombreuses tombes, en fait. Mais l'abbé Bégin, ayant manqué de temps et également d'argent, écrivait à son supérieur, l'abbé Hamel, pour lui dire qu'il n'avait pas eu le temps de se rendre jusqu'à Thèbes, qui est aujourd'hui Luxor, en Égypte. Je me mets dans le contexte de l'époque. À l'époque, Hamel, c'est le recteur aussi de l'Université Laval. Exactement, parce qu'on doit mentionner que le Séminaire de Québec avait créé l'Université Laval en 1852. Et donc, ce qui allait amener Bégin, ça allait répondre à une double mission. D'abord, aussi la collection du séminaire, mais évidemment aussi l'Université Laval pour le prestige de l'université. Oui, tout à fait. En fait, une nouvelle université naissante. L'abbé Hamel avait vraiment insisté sur le fait que cette momie-là devait arriver au Québec pour la formation et la culture des jeunes étudiants universitaires. Donc, on était dans une université naissante. On devait être à l'affût de tout ce qu'il y avait au niveau de nouvelles connaissances. Alors, une institution se devait d'avoir un objet aussi fascinant qu'une momie. Mon premier plan était de me rendre jusqu'à Thèbes dans la Haute-Égypte et de vous en rapporter des momies, comme me l'aviez demandé. Mais le voyage était trop coûteux et trop long. Et de plus, il n'était pas sûr que je trouvasse des momies. Car maintenant, le gouvernement a absolument défendu aux indigènes de faire des fouilles. Il y a partout des gardiens chargés de veiller à ce qu'on n'enlève rien. Ensuite, me serait-il possible de les soustraire à la surveillance de la police? J'ai alors demandé s'il n'y avait au Caire quelques receleurs de momies. On m'en a indiqué un excellent catholique, vrai gentilhomme. Il m'en a fait une 300 francs et l'autre 400 francs. Je lui dis que c'était trop cher et l'ai quitté. J'allais cependant au consul anglais et lui dis que j'avais l'intention d'acheter des momies. Je lui demandai de vouloir bien demander aux autorités égyptiennes la permission de laisser passer ces momies à la frontière. Il me promit son concours dans cette affaire. Je retournai chez mon escroqueur. Il était revenu à de bien meilleurs sentiments. Après bien des pourparlers, il me donna, parce que c'était pour une institution catholique, deux grandes momies, dont l'une avec son sarcophage, puis une momie d'enfant avec un vieux masque et un petit sarcophage de fœtus. Le tout pour, devinez, 440 francs. Et là, évidemment, ça nous amène à regarder le cercueil et sa momie. Pour dire que les informations qu'on en a eues à ce moment-là, parce qu'il y avait des informations, mais graduellement, on a acquis des connaissances autour de cette momie-là. Mais vous, avec cette exposition, vous avez aussi exploré davantage, tenté de percer le mystère de la momie. Et oui, on avait, avec l'exposition fascinante Momie d'Égypte, une opportunité extraordinaire, en fait, d'aller beaucoup plus loin au niveau des connaissances. Et la technologie, les nouvelles technologies de pointe nous permettaient effectivement de faire des analyses non invasives. Autrement dit, qu'on n'altérait pas le corps qu'on avait ici, là, le corps de Nanounef. Donc, une expertise sur le corps, mais aussi une expertise sur le cercueil. Et c'est ce qu'on va aller voir parce qu'on va aller rencontrer France Rémillard, qui est la restauratrice du Centre de conservation du Québec, qui a procédé au dégagement des inscriptions sur le couvercle. Alors, nous sommes présentement en compagnie de France Rémillard. En quoi consistait préalablement le mandat qui vous a été confié, France? Ce qui avait été proposé, c'était de travailler principalement sur le couvercle pour essayer de révéler les inscriptions qui s'y trouvaient, dissimulées sous des années de crasse et de poussière. Parce qu'on distingue deux parties. Ça, c'est la cuve. Ça, c'est la cuve. Et ça, c'est le couvercle. Oui. Donc, qu'on voit ici, là. Puis l'objet avait toujours été exposé sans son couvercle. On avait presque oublié que le couvercle existait. C'est vrai. Et quelques années auparavant, il y avait des tests qui avaient été faits, puis on pouvait prévoir qu'il était possible de révéler des inscriptions qui étaient logées à cet endroit-là. Mais préalablement, on commence toujours par faire une espèce d'expertise à la lumière, à la photographie.
Toujours, on documente photographiquement et les objets qu'on va traiter. Alors, on a fait une photo en lumière normale, une photo en infrarouge et une photo en ultraviolet. Et l'infrarouge révélait assez bien les inscriptions qu'on allait pouvoir mettre au jour. Alors, ça a été un document qui a été très utile pendant le travail qui a suivi. Si tu regardes ici, ça, c'est la lumière normale. Puis, ce qu'on voit en ultraviolet, on voit apparaître les colliers pectoraux qu'on ne voyait pas ici. Et puis, en infrarouge, on voit les yeux comme si elles se réveillaient. C'est très surprenant et ça a toujours intrigué les gens de voir cette image-là. Mais même à l'extrémité des pieds, il y avait des informations. Ben oui, parce que là, il faut s'imaginer que tout ce que les gens avaient vu, parce qu'on avait oublié le couvercle, c'était cette partie-là. Alors, on voyait une partie qui est polychrome, une espèce de colonne, ça sert à quoi? Puis quand on met le couvercle dessus, ben là, on détecte que, il y a un personnage vu de profil, assis, et on comprend qu'il est assis comme sur un trône. Aussi, on voit très peu en lumière normale, les inscriptions, pas beaucoup en lumière ultraviolet, mais assez bien en infrarouge, les inscriptions en translittération ici, vous qui avez sont écrites en translittération, et c'est ça qu'on voulait améliorer. Okay. Et là, le voilà après. Alors, donc, on peut voir ces inscriptions-là maintenant, qu'on ne voyait pas ici. Et on voit aussi beaucoup de cernes d'eau, de taches qui ont disparu et qui, donc, facilitent la lecture, puisque finalement, c'est des éléments qui étaient assez dérangeants. Et là, évidemment, on voit une vue latérale, une vue en coupe, c'est-à-dire ici, on voit bien le couvert, mais on ne voit pas le corps. Et je sais que le corps a fait l'objet d'un traitement, d'une analyse particulière avec une équipe médicale. Mais c'est toi qui as dû procéder à la levée du corps, à la sortie du corps pour l'hôpital. Oui, bien, il fallait s'assurer que ce corps-là allait se lever de façon intégrale, monobloc. Alors, il fallait le sonder. Mais les premiers sondages ont révélé que c'était relativement cohérent, tout cet ensemble-là. Il n'y avait que les bras qui bougeaient un peu. Donc, on les a solidarisés après le corps. Puis, on a procédé à la levée et on l'a transféré sur une civière de fortune. Et avec les techniciens du musée, on l'a transporté à l'hôpital dans son nouveau cercueil en plastique et en bois. Donc, ça a été, somme toute, une grande démarche scientifique, à la fois au niveau de l'analyse du cercueil, mais là, on va aller voir ce qui va se passer avec le corps, et ça, c'est la surprise. Donc, on va aller rejoindre la conservatrice Sylvie Toupin. On vient de voir avec France Rémillard toute l'analyse qui a été faite au niveau du dégagement là, du couvercle du cercueil pour être capable de le contextualiser. Est-ce qu'il est d'époque? Alors ça, on l'a authentifié. Mais le corps de Nenounef, sachant bien qu'au Caire, au moment où l'abbé Bégin a acquis cette momie-là, il y avait un tel chaos, c'est-à-dire il y avait tout un commerce de momies. Est-ce que c'est un corps authentique? Est-ce que la momie est d'époque? On voulait nous aussi, on n'a pas cette certitude-là, et on voulait aussi savoir est-ce bien Nanounef, parce qu'on l'a pu identifier sur le cercueil, l'inscription Nanounef, mais est-ce bien elle qui prend place là, à l'intérieur? Alors, c'est pour ça que l'exposition nous permettait effectivement de la soumettre à une analyse tomodensitométrique ou la scanner. Alors, ce sont des études qui sont très populaires actuellement dans les grands musées du monde. Alors, on est allé chercher une belle collaboration avec des spécialistes du CHUC, du Centre hospitalier universitaire de Québec. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont répondu à notre demande, en fait, d'expertise. Ça, c'est une équipe médicale, là. Vous avez réussi à regrouper toute une équipe médicale autour de ce corps. De ce corps, de cette momie. En fait, c'était une première pour eux, pour nous aussi, évidemment. Alors, c'était, on a eu la chance de travailler avec un radio-oncologue, entre autres, un dentiste et des physiciens aussi, pour toute la partie de la technologie là, qui était utilisée pour cette analyse-là. Puis les objectifs de cette démarche-là, au-delà, disons, du plaisir sur le plan de la science, c'est de confirmer des hypothèses que vous aviez déjà... Oui, on essayait d'aller chercher le maximum de connaissances, en fait, qu'on n'avait pas. On essayait de vérifier des choses ou amener des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer l'âge de la momie? Oui. En fait, le dentiste de l'équipe médicale avec lequel nous avons expertisé la momie avait pu détecter sur les images la présence d'une dent de sagesse qui apparaît habituellement à l'âge de 12 ans, ce qui voudrait dire que cet individu-là avait sûrement plus de 12 ans. De plus, il a remarqué qu'il y avait une dent qui avait disparu et le resserrement des dents l'amenait, avec le temps, à lui donner au moins 24 ans d'âge.
Il avait une très bonne dentition, alors des dents très saines, ce qui permettait de penser qu'il était peut-être d'une certaine classe sociale aussi, Nenounef. Parce qu'il a une bonne alimentation. Oui, c'est ça pour l'époque. Par la suite, ben, le radio-oncologue, lui, a pu diagnostiquer en fait son état général. Donc, il serait mort naturellement. Il n'y aurait pas eu d'accident, mais il a pu déceler notamment sur ses bras et ses jambes aussi une présence d'arthrose qui pourrait peut-être nous amener chez un individu qui avait peut-être une trentaine d'années, parce qu'à l'époque, l'arthrose pouvait se manifester à 30-40 ans, alors qu'aujourd'hui, elle se manifeste beaucoup plus tard, à 60-70 ans. On a également vu des choses très particulières par rapport aux techniques de momification qui nous ont surpris, mais en même temps qui sont assez fascinantes. C'est qu'habituellement, dans la tradition, la façon de momifier, on devait sortir les viscères du côté gauche là, en faisant une incision. On éviscérait finalement et on sortait les viscères de cette partie du corps-là. Sauf qu'il n'y avait aucune trace d'incision, de coupure. Et on a pu remarquer effectivement que le rectum, par les analyses, était trituré, avait été vraiment détruit dans certaines parties. Ce qui me permettait de penser que cette momie-là, ils auraient pu du moins extraire les organes en envoyant un liquide et en dissolvant le tout. Donc, le tout aurait été nettoyé par... Et au niveau du cerveau également. Le cerveau, c'était aussi une technique qui n'était pas habituelle, qui est documentée quand même, mais pas habituelle. C'était qu'habituellement, on l'extrayait par les narines avec un crochet. Et là, on ne voyait aucune trace au niveau des fosses nasales, tout était intact. Ça aurait été sorti par l'occiput, en fait, derrière la tête, par un trou qu'on appelle le foramen magnum. Et ensuite, on aurait mis une résine, là. Alors, le cerveau serait sorti de cette façon-là. Alors, vraiment, les techniques de momification correspondaient bien à l'époque de la 18e dynastie, oui. Parce que Nenounef appartient à la 18e dynastie. Là, ce qu'on parle, c'est vraiment technique. On a parlé d'éviscération, technique de momification, mais au-delà de ça, il y a des rites funéraires, c'est-à-dire tout ça correspond à un rituel. Et peux-tu nous expliquer un petit peu l'univers dans lequel ça se fait, la momification? Pour les Égyptiens, la momification était extrêmement importante. C'était un rituel extrêmement important parce qu'ils croyaient dans la vie, dans l'au-delà. Alors, pour pouvoir accéder à ce monde-là, à cette vie éternelle-là, on devait arriver avec ses parures, tout en beauté, en fait. Et on devait aussi, dans les techniques qu'ils utilisaient, ils gardaient le cœur en place parce que le cœur était le siège, était l'âme, en fait, de l'individu. Alors, c'est pourquoi... La pesée du cœur. Oui, bien, la pesée du cœur était une étape très importante dans ce rituel-là pour arriver, accéder finalement à travers le voyage, là, vers l'au-delà. Alors, c'est certain que toutes ces décorations-là, l'énergie qu'on a investie à la momification servait vraiment là, à... Vraiment un univers symbolique. Très et même symbolique. Dans, par exemple, les produits qu'on utilisait à l'époque pour la momification, il y avait toute une dimension symbolique dans les herbes qu'on utilisait, dans les résines, alors dans tout ce qu'on employait. Oui, c'est sûr qu'on parfumait aussi le corps avant d'installer les bandelettes avec des huiles. On le nettoyait. Alors, c'était un rituel qui durait plus de 40 jours, en fait, là, la momification avec on mettait du natron, un sel pour le désinfecter, puis aussi le déshydrater. Le déshydrater, surtout. Oui, oui, oui. Donc, toute cette démarche scientifique, à la fois sur le cercueil, à la fois sur la momie, vous a véritablement permis d'accumuler de l'information nouvelle, mais en plus d'alimenter une exposition « Fascinante momie d'Égypte » qui s'est terminée en avril 2010. Tout à fait. Au terme de cette émission, il y a deux constats importants qu'on peut retenir.
Alors, le premier, c'est comment toute cette vague, cette égyptomanie qui a gagné l'Occident au 19e siècle s'est maintenue. Et encore aujourd'hui, une exposition comme Fascinante momie d'Égypte en est une belle démonstration. Comment on veut encore connaître les civilisations, ces civilisations très, très anciennes. Et l'autre chose qui est très importante, c'est toute l'approche scientifique qu'on a développé. Au moment où on a acquis ces pièces-là avec l'abbé Bégin, il y avait ce souci de la connaissance. Et encore aujourd'hui, on pousse encore plus loin cette recherche de la vérité, mais tout ça dans un grand respect à l'intérieur d'un corps médical. C'est assez extraordinaire. Alors, imaginons plus loin dans le 21e siècle cette recherche de vérité avec des nouvelles technologies telles que des tests d'ADN qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres et à la prochaine.